Allez, bienvenue en direct ce soir, direct live depuis Megève avec le grand défilé, le grand marche au flambeau ici depuis Megève. 320 moniteurs de ski qui sont présents ici. Voilà comment ça se passe ici en direct de Megève. Merci de nous rejoindre pour cette grande manifestation extrêmement sympathique. Les moniteurs de ski sont présents ici pour l'instant dans le noir. Ils vont arriver bientôt dans la lumière et on les verra arriver dans un instant sur la place du village Megève, sur Haute-Savoie. On rappelle que nous sommes en Haute-Savoie, 1100 mètres d'altitude. On a le président ici, le Piu-Piu qui est ici, incarné par Nicolas Burtin, le champion de ski Nicolas Burtin qu'on voit. Faut pas y aller. Voilà. Et le directeur de l'école de ski français qui est ici de Megève. Le Piu-Piu, est-ce qu'il parle le Piu-Piu? À quoi il sert le Piu-Piu? Nicolas, à quoi il sert? Il parle pas, Piu-Piu. Il parle pas, à quoi il sert? Non, mais Piu-Piu, c'est l'emblème de nos enfants. C'est la mascotte de nos enfants. C'est la mascotte des enfants. Oui, 320 moniteurs ce soir présents. Vous êtes déjà très nombreux à nous joindre ce soir. Regardez cette beauté ici de cette marche pour aller jusqu'à la place du village. Voilà, Megève en direct, on rappelle. Une température qui est tout à fait agréable ce soir, en gros, moins 2 degrés. Et un ciel qui est dégagé pour l'instant. Deux par deux, organise le truc. Voilà. Appelle Nico, si t'as besoin. Le défilé, grand moment toujours du 31 décembre ici. On rappelle le soir du réveillon avec 320 moniteurs de ski. L'école de ski qui a été créée en 1944 ici. Premier syndicat local en France, avant le syndicat national de ski. L'école de ski français, les pulls rouges comme on les appelle. Très nombreux. On les verra toute la soirée. Alors, on montre un petit peu ce qui se passe. Megève ici, avec ce rond-point où la circulation est coupée pour l'instant. Et on rappelle que nous sommes en direct pour suivre ce grand, grand moment ici, qui est le défilé des pulls rouges. 320 moniteurs de ski. Pas mal de femmes présentes aussi. Et une école qui a 74 ans d'âge. Voilà l'ambiance ici. On aurait dû avoir une descente au flambeau, malheureusement la neige n'est pas assez présente. Et on a ici des gens, voilà, il y a des filles ici. Vous êtes combien les filles ici? Vous êtes nombreuses ou pas? Oui, on est beaucoup. Minoritaire ou majoritaire? Majoritaire. Majoritaire les filles, on les salue aussi. On va préciser que les flambeaux ce soir sont des flambeaux qui sont avec des LED. C'est une grande première, ici on n'a pas de flambeaux pour ne pas polluer, on le rappelle. Nous avons des flambeaux avec des LED. C'est une décision qui a été prise. Voilà comment ça se passe ici. À Megève, voilà le rond-point ici, avec le fameux bouquetin qui est ici. Voilà, on marche derrière. Piu-Piu est encore ici. Voilà. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Dites-nous un petit peu ce que vous allez faire ce soir pour le réveillon. Nous, pour l'instant, on est avec les moniteurs de ski à Megève, on rappelle, station de Haute-Savoie. L'agneau n'est pas présent encore, pour l'instant, elle arrivera bien sûr. La soirée, mais pas tout de suite. Voilà, on va arriver sur la place dans un instant. Place du village qui est la plus belle des Alpes françaises. Et surtout, elle sera plongée dans le noir pour que les moniteurs puissent défiler tranquillement. Voilà. Température assez fraîche, même s'il ne fait pas trop froid ce soir. Beaucoup de monde dans la station ici. Donnez-nous un peu vos impressions. On rappelle qu'on est à Megève, en Haute-Savoie. On est en France, bien sûr, pour ceux qui nous suivent, avec 320 moniteurs, une des plus grandes écoles de ski français, peut-être la plus grande après Courchevel, peut-être la troisième. Peut-être un petit mot du directeur, peut-être, avant de rentrer dans le village. Grande école, vous êtes combien, 320 ce soir, Cyprien? 320 ce soir, ouais, on a un peu plus de 380 cartes syndicales. C'est une des plus importantes de France? Oh bah oui, on est bien dans le top 5. Sur le podium. Ça vous fait quoi de rentrer dans un instant avec des milliers de personnes ou presque sur la place du village? C'est des moments qui sont toujours très sympathiques, parce que ce qu'il y a d'agréable, c'est de voir les gens qui reconnaissent leurs moniteurs, qui nous reconnaissent nous, et des moments sympas, parce qu'on partage, c'est la fin de l'année, beaucoup d'émotions, on est bien, ouais, non, on vous laisse rentrer sur le village beaucoup, maintenant. Beaucoup merci Cyprien, merci au président aussi. Bonne soirée, à tout à l'heure. On vous suivra bien sûr jusqu'à la fin de la soirée. Regardez comme c'est attention magnifique. Attention à toi Philippe. Hein, voilà, regardez, tiens. Voilà, un entre la poire et le fromage, on fait une petite. Ah, ils sont sympas ces gens-là. Regardez-moi cette ambiance incomparable ici. Regardez ici. Voilà. Jusqu'au bout direct. De la nuit. On est en direct sur Facebook Live. Voilà, comment ça se passe? Écoute, ça se passe bien. Hein. Avec des milliers de personnes qui vous attendent sur la place. Oui, on a un petit peu moins de charme que le flambeau, oui. Le vrai. Comment il est ce flambeau alors? Mais c'est écologique. Il est voilà. Écolo. On est dans l'air écologique. Et puis il est beau. Voilà. Regardez, on arrive exactement maintenant sur la grande rue du village.
avec des applaudissements ici pour les moniteurs. Regardez comment ça se passe ici. Voilà, on va se rejoindre. Priorité. Voilà, ça bouge un petit peu. On arrive ici dans le village de Megève. Encore 300 mètres. La mascotte est ici. Un petit piou-piou. Un petit piou-piou ici. Incarné par Nicolas Burtin, qui est l'ancien champion de ski, bien sûr, que tout le monde connaît ici. Voilà. Voilà comment ça se passe. On en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes d'ores et déjà une belle fête de fin d'année. Voilà, on arrive dans le village avec les gens très présents déjà. Beaucoup, beaucoup de smartphones qui fonctionnent, beaucoup de gens qui filment. On essaye de se mettre en position aussi ici. Et donc voilà. Voilà les applaudissements. Voilà. Les fameux pulls rouges présents ici. 320 pulls rouges ce soir, dirigés par le directeur. Ouais, ils sont là. Ça, voilà. Ambiance, ambiance, on crie. Voilà quoi ça ressemble. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est la fête. Ouais. Voilà, mais j'ai ici ces moniteurs fêtés ce soir comme il se doit. 300 moniteurs conduits par son président et son directeur. On va arriver sur la place. Voilà comment ça se passe ici. Ouais. Bonsoir à tous. On est un petit peu compliqué là. On est bien, bonsoir, bonsoir. Voilà, traverser les 300 000 mètres de ski ici à Megève. Ludic qui est là dans un instant à l'arrivée sur la place du village avec les lumières qui vont s'éteindre. On rappelle que les flambeaux sont des flambeaux avec des LED. C'est très écolo. C'est aussi beau. Et on va l'arrivée tout à l'heure. Juste avant le 320 passer devant nous. Justement. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Sur le Colisée, c'est pas le Colisée, c'est la place de Megève. Si vous nous rejoignez en direct, très nombreux nous suivent ce soir avec les 300 moniteurs de l'école de ski dans 2 minutes arrivés sur la place du village. Bonsoir à tous. Voilà. Passez un très bon réveillon, c'est important. Et innovation, s'il vous plaît. Oui. Et bonjour la Belgique. On arrive sur la place avec de l'ambiance, avec un groupe qui joue de la musique ce soir. On vous laisse en ambiance. Ils arrivent tous. Voilà comment ça se passe. Donc on coupe la musique quelques instants pour accueillir comme il se doit l'ESF qui est juste derrière vous sur la rue Charles Fesle. Donc l'ESF, on ne les présente plus. Comme on dit, c'est 450 moniteurs que vous pouvez retrouver dans les 5 centres que sont la Caboche, le Jaillet, Roche-Brune, le Mont d'Arbois bien sûr, mais aussi la Princesse. Donc c'est avec eux que vous pouvez passer les fameuses étoiles. Vous pouvez les applaudir bien fort et on continue la fête tous ensemble. Merci beaucoup. Bonne année. Merci, bonne année à tout le monde. On rappelle que nous sommes à Megève ce soir, 1100 mètres d'altitude en Haute-Savoie, en France bien sûr, avec ces 320 moniteurs qui sont là. Des monitrices, gros sourire, bonjour les monitrices.
Voilà, on rappelle Megève, en haut de sur la place du village, avec ses moniteurs, ce sourire. 320 moniteurs, les voilà encore. Regardez l'ambiance très décontractée ce soir. Les pulls rouges qui nous apprennent à skier. Les pulls rouges sans plus, on ne fait pas grand chose sur les pistes, c'est bon de savoir aussi. En direct. Avec l'ambiance musicale. Et le sapin qui est là derrière. Et ça continue. Il y en a plus, il y en a encore, et derrière on va retrouver le piou-piou qui est le symbole des enfants ici à Megève. Voilà, le piou-piou qui est ici, avec les enfants qui ont le sourire ici, voilà, regardez. Il y a beaucoup de monde qui nous suit ce soir. Ah, il y a du monde en ce moment. Ça va bien. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. C'est très émouvant. Oh, c'est... Moi, c'est ma première. Oui, c'est bien. C'est la première. Merci. En direct ce soir, depuis l'arrivée ici des flambeaux. Voilà, avec beaucoup de monde. Alors, c'est ici. On va regarder cette ambiance. Ils sont tous par là maintenant. Les voilà, ils vont se mettre sur cette place avec beaucoup, beaucoup de personnes en direct. On rappelle pour cette grande soirée retransmise intégralement sur le site de la place du village. Les voilà, ils sont par là maintenant, tous par là. Comment ça s'est passé? Ouais, très bien. Alors c'est émouvant de voir tous ces gens là. C'est émouvant, une descente très compliquée. Hein. Une descente, oui. Ah ouais, on a dû vraiment faire avec. Avec les éléments du moment, mais tout s'est très bien passé au voilà, final. Voilà, je crois que la neige est annoncée la semaine prochaine en plus. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, on va aller boire une petite coupe de champagne et puis après, je sais pas, on va passer une bonne soirée quand même pour le nouvel an. Bonne soirée, on vous souhaite en tout cas une bonne fête de fin d'année. Merci. Et surtout, plein de bonnes choses pour cet hiver. Merci les pulls rouges, 320 pulls rouges, les supporters qui sont là, les gens qui sont venus, regardez, des véritables héros, on se croirait, à Rome. Bonne année. Merci beaucoup, merci. Vous en pensez quoi de ces pulls rouges qui passent? Magnifique, super. Ça vous plaît? Ah, magnifique, oui. Beaucoup de jeunesse, des garçons, des filles. Voilà, félicitations à la jeunesse, magnifique. Voilà. Oui. On les salue, merci, bonne année à tout le monde. Voilà comment ça se passe tout à l'heure, la soirée va continuer bien sûr à Megève, avec évidemment à minuit le grand moment, le fameux réveillon. Nous sommes sous le sapin actuellement. Les pulls rouges sont là, ils se dirigent tous derrière le sapin. On les voit ici encore avec la tour de demi-quartier qui est éclairée ici. Voilà comment ça se passe à Megève avec cette ambiance bon enfant, avec ces gens qui sont très décontractés. Les moniteurs qui ont travaillé pour la plupart toute la journée aujourd'hui et qui se retrouvent ce soir dans cette ambiance de fête ici, au contact avec souvent leurs élèves d'ailleurs. Voilà, regardez, le plus apprécié de tous, il est là, c'est Piu-Piu la mascotte. Piu-Piu la mascotte avec un petit Piu-Piu à côté. Bonjour petit Piu-Piu. Voilà. En direct. Comment ça va? Comment ça s'est passé cette soirée? Bah, C'est super. C'est un gros moment, le cœur va plus vite. Ouais, c'est génial en plus avec la musique, c'est top. Vous avez vu tous les gens qui vous supportent à côté? Magnifique. Regardez, magnifique, merci, bonne soirée en tout cas. Bonne fête de fin d'année, à très bientôt. On continue le direct, on rappelle que nous sommes en direct. Tiens, voilà, encore un moniteur qui a parfois un deuxième métier. Le vôtre, c'est lequel? Moi, je suis pilote d'hélicoptère à côté, Philippe. Il est pilote d'hélicoptère à côté. Et sinon, on dit des bêtises. Mais sinon, ça, c'est pas mal. Comment on fait? On peut conduire l'hélicoptère et descendre à ski ou pas? Bah non, non, c'est le problème. Donc tout l'hiver, vous êtes sur l'hélicoptère ou sur le ski? Bah, je fais essentiellement l'hélicoptère et les jours de congé, je viens au ski. C'est pas beau ça. C'est pas mal. Deux passions. C'est pas mal, exactement. Deux métiers, passion. Deux les passions. Les moniteurs qui ont souvent deux passions. Il y a des pilotes d'hélicoptère. Regardez, merci, bonne soirée, bonne année, fête Philippe, de fin d'année, bonne année surtout. Voilà, beaucoup de sourires, beaucoup de jeunesse. Des jeunes filles présentes ici. Il n'y a pas que des garçons ici. Ouais, mais il y en a quand même. Il y en a quand même des garçons. Il y en a quand même. Ah mais c'est Radio Mont-Blanc. Elles sont toutes belles les filles ici, vous avez remarqué. Ah ouais, toutes les femmes, mais non, oui, c'est la place du village. On est en direct. Oh, oui, hop, en direct. Filmez celle-ci, filmez celle-ci. Ouais, c'est en direct, c'est la place du village. Ouais. Arrête, elle te fait de la top rouge. Ben moi je suis pas monitrice.
Alors vous faites quoi au milieu des garçons comme ça dit. Ah mais elle est toujours au milieu des garçons. Si vous saviez. Elle est toujours à coupe. Elle est toujours à coupe. En plus, tu es mon professeur. C'est pas vrai. Mais si. Si. Voilà. Elle finit dans le coffre des bambins. Elle finit dans le coffre. Coucou de Saint-Étienne, coucou de toute la France. Alors, tu fais quoi maintenant en dehors du... Je suis archéologue. C'est pas vrai. Si, si. Archéologue. Alors, on est en direct. On ne peut pas tout dévoiler. Non, on ne peut pas. Et vous êtes au milieu des moniteurs ici, hein. Et ils sont sympas. Il est à vous, celui-là. Non, il... Voilà comment ça se passe. Toujours bon enfant ici. En direct. Regardez comment ça se passe. C'est extraordinaire. Moi, je dis tout, hein. Il n'y a pas de... Voilà, on est en direct avec les moniteurs, au cœur des moniteurs, 320 moniteurs ce soir. Il y en a partout, il y a des petits, des grands. C'est un honneur de vous voir à l'arrivée. Bonjour, merci. Bonjour, bonjour. On est en direct. Vraiment, sincèrement, on aime tout ce que vous faites. C'est très gentil. L'agneau, la marmotte, le truc, Monsieur Favre, excellent. Je vous aime infiniment. C'est très gentil. Oui, vraiment. Et on a le coup de cœur aussi pour les moniteurs, parce que on sait que vous partagez nos valeurs, les moniteurs. Ah non, mais tout à fait. Tout à fait. Le ski, les bons moments, les vacances. Le ciel bleu et la neige, qu'est-ce qu'il y a de mieux? On se libère l'esprit et on est heureux et on se fait plaisir. On travaille toute l'année pour les vacances, alors merde. Il y a Émilie qui dit le métier que j'aurais aimé faire. Et finalement, vous n'avez rien avec cette rêve. Alors, mon métier, c'est mon hobby, sincèrement. Mon hobby. Oui, c'est l'hobby. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime faire depuis que je suis gamin, depuis que je suis rentré au club des sports de Megève. J'aime ça. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit la soirée et bonne année, merci pour tout. Merci, on est en direct ici. On voit les champions ici. Non, Gabin. Voilà. Il a perdu Gabin, c'est son fiston, Gabin. Ouais. Alors, il est où le fiston? Bah, il est par là, à travers. Comment on fait pour le retrouver ce soir? On va chercher. Non, mais il est là, il est avec les copains, là, il joue. Ils n'ont pas l'air inquiets, les moniteurs. Bravo, pas de chance pour votre gamin. Voilà comment ça se passe ici. On rappelle qu'on est ici, sur la place du village, en direct. On rappelle qu'en direct, Facebook Live, avec le vin chaud qui est distribué ici. Voilà l'ambiance ici, avec les moniteurs, pour parler ici, avec le champagne de Noël. On va rappeler qu'il y a le vin chaud. Bonsoir, on est en direct. On est en direct Facebook Live. Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite ici? Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? Du vin chaud. Tiens, mon William. Comment il est fait le vin chaud? Regardez. Je suis comme un pays, j'ai pas le droit d'en boire. Faut pas en boire. Dedans quand j'étais petit. Combien de litres de vin chaud ce soir? Vous le savez, non? Ah non, ça faut demander aux spécialistes qui s'en occupent. Voilà, parce que le vin chaud, c'est la grande tradition. Les moniteurs qui sont ici. On retrouve l'ambiance extraordinaire. La musique, le clocher. Et toutes les gens qui sont en train de servir ce fameux vin chaud. C'est une ambiance bon enfant. On retrouve la monitrice, Laura. Le vin chaud est obligatoire. C'est obligatoire le vin chaud. On rappelle cette ambiance incomparable, exceptionnelle ici à Megève. On va terminer le direct, on a vu l'arrivée, tout le monde ici. Pierrette, bonjour. Combien de litres de vin chaud, Pierrette? Hein? Combien de litres? Combien de vin chaud? 100 litres. 100 litres? Oui. Non, 100 litres. 100 litres, oui. Voilà, bonne information. 600 litres, on nous dit. Combien de litres ce soir? 600. Ah, 600, encore mieux, 600 litres. Voilà, discours. Le discours du directeur de l'école de ski, Cyprien Richard, à côté de Madame le maire de Megève. Ici, la boutique à l'art. Merci à tous les moniteurs qui sont là ce soir. Ce moniteur qui nous vient découvrir notre domaine skiable. Ce sont vraiment des professionnels, ceux qui ont recouvré en ce temps et cette nuit. Merci à vous, merci et à faire un public pour les moniteurs. Le public, ouais! Merci les moniteurs! Merci, bonne soirée à tous. Ainsi se termine cette très belle soirée, on rappelle, depuis Megève ici. On est replongé dans l'ambiance un petit peu sombre avec cette place absolument magnifique, ce vin chaud qui sent bon ici, la mairie de Megève ici, la boutique à l'art ici, le clocher et le fameux sapin de Noël illuminé aussi. Voilà, merci, bonne soirée à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis nombreux pour ce direct, à très bientôt. Voilà, ça se termine ici. Et tout à l'heure, bien sûr, bon réveillon, si vous faites ce soir, bon réveillon.
bonheur. Merci, à très bientôt.